Bonsoir Laurence, bonsoir Emmanuel. Bonsoir Pascal, bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Voilà Laurence, donc je te présente Emmanuel hein, qui va travailler pour toi et avec toi. Voilà, et ben, on t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler, on t'écoute. Voilà, alors le premier point, bon, et le deuxième d'ailleurs, concerne mes deux enfants, les deux garçons. Tu peux commencer par la santé, s'il te plaît? Ah, tu préfères la santé. Alors la santé. Je souffre depuis mon enfance de blocage au niveau des intestins. Tu veux dire, c'est de la constipation? Des fois, oui, des ballonnements, ou ça peut être aussi le contraire. Hein, donc, voilà. D'accord. Et au niveau de la gorge, j'ai toujours la gorge encombrée. Ma voix ne porte pas, on ne m'entend pas. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais. Je parle trop, Oui, mais trop c'est vrai fort. que, oui, c'est vrai, faiblement. C'est ça. Voilà, c'est Ok. tout. Au niveau santé, c'est tout. Hein. D'accord, bon, c'est bien. Bien. Alors, les autres points? Alors, donc, concernant mon deuxième fils, Cédric, je souffre de ne pas le voir et de ne pas voir mes petits-enfants. Ok. Oui. Alors avec Ensuite. mon deuxième fils, donc que vous connaissez, David, enfin non, c'est le premier, lui, David. Donc j'ai heureusement une meilleure relation, mais en ce qui concerne ces deux jumelles, eh ben, je les ai jamais vues. Je les ai jamais vues et il m'a demandé de savoir si les parents, enfin de vous dire que les parents de la mère de ses enfants, parce qu'il n'a pas de très bonne relation, étaient des amis de longue date au Togo. Nous, les parents, avec les parents de cette jeune femme. Et y aurait-il quelque chose qui nous lie au travers de la naissance des filles? Et pourquoi tant de difficultés relationnelles? Donc pourquoi toi, tu as tant de difficultés relationnelles, c'est ça? Ben, moi non, mais c'est surtout David avec Ouais, ses mais là, deux c'est ta petites. séance à toi, si tu veux. On va Alors, si c'est ma pas. séance à Hein? moi, moi, je n'ai jamais vu ces petites filles. Elles ont plus que deux D'accord. ans. J'ai jamais eu. Et pourtant, Donc, tu as j'ai le fait même les problème voir. pour David que Fait pour les voir. ton deuxième fils. C'est le même problème. Voilà, j'arrive pas à avoir mes petits-enfants. Voilà. Donc pourquoi tu n'arrives pas à avoir tes petits-enfants? Voilà. Hein? Ok. Ok. Alors, j'aimerais aussi savoir pourquoi j'éprouve souvent un sentiment d'abandon. Oui. Ma mère a perdu un enfant, son troisième enfant, avant de m'avoir. Est-ce que cela pourrait expliquer ma tendance à la tristesse? Il faut dire qu'il y a eu des situations où j'ai eu beaucoup de tristesse. Donc toi, tu étais la quatrième alors. Oui. En fait, tu me demandes pourquoi tu as une tristesse, en fait. Déjà, Parce que oui, déjà. tu me donnes une supposition. Je préfère que tu me dises, ben, j'éprouve une profonde tristesse, d'où ça vient, Avant d'aller. tu vois. Parce que Ben, pas tout tu. le temps, pas tout le temps, mais j'ai eu des situations qui, et comme si c'était la tristesse revenait tout le temps. Donc, Ok. Bien. alors, et je suis ramenée souvent à la vision d'enfants perdus. Alors, c'est dans les films, dans des documentaires, tout ça. Surtout récemment, là, il y a toujours des enfants perdus là, quelque part. Donc t'es toujours touché par le thème de l'enfant perdu, quoi. Oui, C'est ça en gros. oui, souvent touchée, et aussi je me retrouve en face de situations comme ça. Oui. Alors j'ai tendance à penser à faire plus aux autres qu'à moi-même. En fait, j'ai du mal à exister par moi-même, en fait. Et pour revenir peut-être au rendez-vous de ce matin, donc,
J'ai l'impression qu'il y a eu un oubli, mais cet oubli, même si ce n'est pas grave, mais le problème, c'est que ça m'arrive assez souvent, des choses comme ça, comme il m'est arrivé ce matin. Alors, est-ce que c'est lié à ce que je vous ai dit? Je ne sais pas. OK. Alors là, c'est donc, voilà. Donc nous avons, j'ai passé une grande partie de ma vie en Afrique, de l'Ouest, je me suis même mariée avec un Africain. Et nous avons ramené d'Afrique des objets traditionnels tels que poupées et masques. Alors, je voudrais savoir quelles sont les énergies portées par ces objets et sont-ils nocifs énergétiquement pour nous? Ok. Tu as plusieurs poupées et plusieurs masques? Oui, oui. Des objets traditionnels. Ok. Alors, je terminerai par une question assez étonnante par rapport à ce qui m'est arrivé ce week-end. Alors, je ne l'avais pas mis sur la liste que je vous ai envoyée, mais bon. Mon mari et moi sommes allés voir mon beau-frère et sa femme, donc, qui ne vont pas très bien suite à la perte de leur fille. Voilà encore une perte. À la perte de leur fille de 22 ans. Alors, la nuit qui a suivi, j'ai très mal dormi. J'ai senti comme si nous avions ramené avec nous de là-bas des entités négatives qui ne nous appartenaient pas. Alors, je ne sais pas si vous voulez un petit peu la signification, ce que j'ai rêvé la nuit, je ne sais pas, c'est important. D'accord, oui, vas-y. Alors, c'était des bêtes sauvages qui sautaient par la fenêtre de la voiture, qui rentraient, qui tentaient de rentrer dans la voiture, et des frémissements de la toiture de notre maison. Alors après, bon, j'ai le lendemain ou au petit matin, parce que comme je n'ai pas bien dormi, donc j'ai fait un travail de nettoyage des lieux avec de la sauge. Et tout est rentré dans l'ordre la nuit, la deuxième nuit. J'aimerais savoir ce qui s'est passé, si c'est possible. Voilà. OK. Voilà, c'est tout. Bien. Eh bien, je te laisse. Non, les invitations. Alors, qui veux-tu inviter? Oui, donc mes deux garçons. Hein, donc, voilà. Oui. Et la première fille de mon mari, que je considère comme mon enfant, Kokwe, dont je me suis occupée quelques années. Alors, mon mari, bien sûr, mes petits-enfants, et ma famille proche, frères, sœurs, cousines, beaux-frères, belles-sœurs, etc. Petits-enfants et famille proche. Hein. Voilà. Famille en général, non? Ben oui, en général, oui. Donc, famille en général. Et mes amis proches de La Rochelle et d'ailleurs. Amis proches. OK. Alors, au niveau des désincarnés, alors, qui veux-tu? Désincarner mon père. Mon père. OK. Donc, il n'a pas été vu dans... Il n'a pas été vu dans... D'accord, hein. Ton père et... Ma grand-mère maternelle que je n'ai pas connue, mais dont le visage exprimait beaucoup de tristesse parce qu'il y avait son cadre, le cadre de la grand-mère au-dessus du lit de mes parents et c'était vraiment c'était la tristesse qui me choquait beaucoup. Quoi. Voilà. Donc, okay. Je voudrais savoir un peu ce qu'il en est. Ok. Bon, on te dira où elle en est, effectivement. Oui. Bien, bah écoute, je te laisse couper le son et on part pour l'aventure. D'accord. C'est parti. Merci. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. 30 800. Connecte-toi à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Je m'aligne sur toi. Oui. Connecte-toi sur Laurence à présent et dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a une espèce de brouillard tout autour d'elle, autour de sa sphère énergétique et à l'intérieur aussi. Donc c'est même plus dense à l'intérieur que autour d'elle. Et il y a deux sortes de... C'est comme des sortes de... Tu sais, les poulpes, au niveau de leurs membres, ils ont des ventouses, c'est ça. Il y a des sortes de ventouses
qui sont sur elle. Et étrangement, ces ventouses, à la fois elles aspirent, et à la fois elles aspirent, mais c'est son énergie qu'elles aspirent, sa substance vitale, et à la fois ces ventouses envoient quelque chose. C'est comme si elles avaient différentes fonctions. Il y a des ventouses qui ont cette fonction d'aspirer et d'autres qui ont cette fonction de souffler, d'insuffler à l'intérieur de sa sphère énergétique cette sorte de brouillard. Ces ventouses, donc, elles appartiennent à une sorte de poulpe qui est là en arrière-plan, c'est-à-dire que le corps de ce poulpe-là, il est à peine perceptible. Les bras du poulpe le sont un peu plus, enfin les tentacules, mais ce qui ressort le plus, c'est les ventouses, puisque à l'endroit où sont les ventouses, il y a une sorte de vibration dissonante. Elles sont positionnées où ces ventouses? Donc il y en a qui sont plus ou moins grosses. Les plus importantes, il y en a trois, une, deux, trois, qui sont devant. C'est au niveau des chakras. Il y en a une qui est devant, comme posée sur son ventre, en fait. Une qui est au niveau du chakra sacré, une au niveau du plexus solaire, et une qui remonte encore légèrement au-dessus, comme pour l'empêcher de respirer complètement, mais pas jusqu'au niveau du chakra du cœur, c'est en dessous. Qu'est-ce que ça fait qu'on prenne tout ça? Ça vient lui aspirer son énergie vitale qui passe là, dans le système digestif. Il y en a une autre qui est double. C'est comme, tu sais, en mathématiques, quand il y a deux cercles qui s'interpénètrent l'un dans l'autre, il y a certaines de ces ventouses qui ont cet aspect-là. C'est rond et soit c'est rond unique et soit ça s'interpénètre l'un dans l'autre. Au niveau de la gorge, on a une double comme ça qui est posée là et qui vient appuyer. Celle-ci, elle est comme là pour appuyer, étouffer, la maintenir sous contrôle. C'est pour ça qu'elle est double. Comme si elle est double parce qu'elle est seule et elle a besoin de plus de puissance. Il y a donc directement sur son corps, on va dire au niveau de sa physicalité, c'est tout. Après les autres, c'est un peu plus lointain, c'est toujours dans sa sphère énergétique, mais un peu plus à distance de son corps physique. Donc il y en a une autre qui est au niveau du chakra coronal. Une autre qui est au niveau du chakra du cœur, mais en arrière, un peu en arrière, donc à l'extérieur du corps physique. Et une autre qui est au niveau du chakra racine, mais à l'extérieur aussi du corps physique et en arrière aussi. Et une autre qui est plus bas, comme en dessous de ses pieds. D'accord. Ça, quand tu dis ça, à l'extérieur, donc c'est dans les autres corps, alors c'est le corps mental, émotionnel, c'est lequel? Corps émotionnel. D'accord. Tous? Oui. Bien. Ceux qui ont été cités, oui. Qu'est-ce que ça lui crée comme problème, à part de les prendre de l'énergie? Ça vient comme l'immobiliser, la bloquer. Ça la maintient dans une sorte de brouillage. Mais c'est un ensemble parce qu'il y en a encore d'autres de ventouses qui, elles, sont beaucoup plus petites et qui, c'est comme si ça piquait, c'est comme des piquetis qui sont installés encore la couche d'après dans sa sphère énergétique. Donc là, c'est au niveau du corps mental. Et okay. C'est l'ensemble, en fait, combiné
de toutes ces sortes de ventouses-là qui vient créer une sorte de mal-être, hein, de malaise, de décalage et de brouillage avec cette sensation de ne pas pouvoir habiter, occuper pleinement son corps physique. Ok. Donc la ventouse soit double à la gorge, ça a à voir avec ses problèmes de communication, le fait qu'elle ne se sente pas entendue, etc. Oui, ça exerce un contrôle, donc ça vient la bloquer. C'est un petit peu le même principe quand quelqu'un est maintenu au sol et que pour le maintenir au sol, quelqu'un lui appuie carrément le pied sur la gorge. Ça a le même effet, énergétiquement parlant. D'accord. C'est-à-dire que non seulement ça vient bloquer la communication, mais ça vient aussi bloquer les énergies, ça empêche le déplacement et ça garde là sous contrôle. Ok. Que vois-tu d'autre? Directement sur elle, c'est tout. Après, c'est des brouillages et des déformations de ses corps subtils, mais qui sont des conséquences de ces dispositifs-là. Alors, qui est derrière tout ça alors? Donc, tu m'avais parlé de poulpe. Oui, il y a ce poulpe-là qui est en arrière-plan. Il n'y en a qu'un seul? Il n'y en a qu'un seul, oui. Il est le corps, il est pratiquement aussi grand qu'elle. Il est, donc le corps est imposant, mais il se tient en transparence là, en arrière-plan. Mmh. Et c'est quoi son objectif à ce poulpe? Il lance ses tentacules pour qu'on ne perçoive que ses tentacules et non pas son corps. Hein. Trop tard. Allô? Oui. Alors, c'est quoi l'objectif du poulpe, alors? C'est comme une sorte de moule qui s'accroche à son rocher, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une interface en 3D pour rester en vie, pour que son énergie puisse continuer à circuler, à fonctionner correctement. Il se nourrit sur elle. D'accord. Bien, on va aller voir. Depuis quand, la toute première fois, il est avec elle, hein? Je compte à 3 et tu y vas. À la toute première fois. 1, 2, 3. C'était depuis 11 incarnations qu'il est avec elle. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est glissé dans les roues d'incarnation, c'est-à-dire quand il n'est pas fixé sur une conscience humaine, sur un humain en particulier, il est en chasse et à la recherche d'une conscience qui accepte de le porter. C'est comme un bagage, en quelque sorte, que la conscience accepte de porter tout au long des incarnations humaines. Et c'est ce qui s'est passé pour elle? Oui, il s'est présenté à elle comme étant, comme pouvant représenter pour elle un bagage de connaissances utiles au cours des incarnations humaines. Et pour pouvoir en éviter toutes les choses trappes, tous les pièges, comme une sorte de bibliothèque ambulante, quelque chose comme ça. Mmh. Sous quelle forme elle l'a vu? Elle ne l'a pas vraiment vu. Elle a entendu sa voix, ou du moins des fréquences, mais qui sont entendues comme une voix humaine, et une forme vaguement humanoïde et presque caché dans une sorte de lumière vive. D'accord. Ok. Donc elle a plus présumé que c'était une forme humaine, plus qu'elle ne l'a vu. Donc elle a vécu après toutes ces 11 incarnations avec en sa compagnie, c'est ça? Oui. Très bien.
Donc, je suppose qu'elle a pris connaissance de comment elle s'est fait avoir. Oui. Très bien. J'aimerais que tu me dises combien est-ce qu'il y a eu d'incarnations sur Terre en tout dans cette boucle de manifestation du soi supérieur? Dans cette boucle-là, 34. 34 vies humaines. Bien. On va les voir avant qu'elle entre dans la fausse matrice. Je veux savoir sous quelle forme tu la vois. 1, 2, 3. Elle est humanoïde à polarité féminine. Elle vient des Pléiades à la recherche, ou plutôt en observation. Elle est venue volontairement dans l'espace terrestre à la recherche de ce qu'elle y avait elle-même déposé, ensemencé en quelque sorte. Oui, de quoi s'agit-il là? De peuple. C'est comme si elle avait participé au fait d'ensemencer des peuples, en tout cas des souches humaines. D'accord. Mais ça, c'était avant que la matrice artificielle soit présente. Donc elle est revenue, plusieurs fois, mais toujours avant que la matrice artificielle soit présente, pour vérifier en quelque sorte le fruit de son travail et de ses actions. Et puis pendant une grande période, elle n'est pas revenue. Et quand elle est revenue, il y avait cette matrice artificielle qui était là déployée. Et elle s'est fait piéger par cette matrice artificielle-là qui n'était pas présente les fois précédentes. D'accord. Si on regarde cette humanité qu'elle a ensemencée, à quoi est-ce qu'elle ressemblait la toute première fois? C'est des foyers d'humains. C'est comme si c'était des foyers d'humains. Ce que nous, on relie comme type d'humain à la préhistoire, nomade et en déplacement constant. Et à chaque fois, ils déplacent le feu et ils construisent des habitats légers qui sont facilement démontables et facilement reproductibles. D'accord. Donc, genre préhistorique, quoi, comme ceux qu'on a dans certaines illustrations. Oui. Bien, et est-ce que tu vois qu'à cette époque, il y a des animaux comme ceux qu'on voit dans ces illustrations, genre dinosaures et autres? Non. Non. Il y a des animaux petits. Alors, il n'y a pas... C'est étrange parce qu'il n'y a rien qui corresponde à ce que l'on peut connaître comme animaux de nos jours, là, maintenant. D'accord. Mais il n'y a pas de grosses bêtes dangereuses, menaçantes, il n'y a pas ça. Ah oui, intéressant. La plupart des animaux sont de moyenne taille, voire de petite taille, et sont chassés comme gibier par ces souches humaines. Et ces animaux-là ont été déposés dans l'espace terrestre, à proximité des humains, pour que justement ces humains-là puissent s'en nourrir. Là, on est bien en troisième dimension. On est en 3D, oui. Là. Oui. D'accord. OK. Bien. Donc, pour l'histoire, elle se retrouve piégée, la matrice s'étant constituée entre-temps, c'est ça? Oui. Dans ses dernières incursions, et elle est restée piégée dans la matrice. Oui. Et donc, depuis, ça fait 34 vies humaines. Oui. Bien. Reviens ici et maintenant. Oui. Est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues ou est-ce que c'est bon pour toi? C'est correct, c'est bon.
Est-ce que tu vois un système GPS de repérage quelque part? Non, il n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin de système GPS. Pourquoi? Parce que l'entité interférente est toujours là. C'est-à-dire que c'est comme si elle détachait des, on va dire des morceaux d'elle-même pour pouvoir continuer à la suivre. Et ensuite, elle se reconnecte au morceau qu'elle s'est détaché, et, ce qui lui permet de se reconstituer complètement. Donc, il n'y a pas de système GPS indépendant. D'accord, bien. Alors, identifie-la, confirme-moi que il s'agisse bien de Laurence. Regarde son ADN éthérique. Oui. Est-ce que tu vois qu'une partie de son ADN a été modifiée ou pas? Non. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Puisque nous avons son accord, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archaïque. Qu'elle le veuille ou non, qu'elle se cache ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à trois et elles te sont toutes apparentes. Un, deux, trois. Oui. Voilà, donc à part ce poulpe, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui sont là à rôder autour d'elle parce que la présence de cette entité-là, Poulpe, a créé des zones de vulnérabilité dans son espace énergétique, ça a créé des ouvertures, ça a généré aussi une baisse de fréquence, ce qui la place dans la même bande de fréquence que ces entités démoniaques et qui sont là autour d'elle. Pas de façon constante, elles vont et elles viennent, mais il y en a toujours quelques-unes, plus ou moins loin. Et en arrière-plan, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan archontique. Ok. Est-ce que tu vois des parasites à l'intérieur, sur et autour d'elle? Non. Bien. Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elle rompt tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions, serments, allégeances, alliances, promesses, accords, tacites ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, toute ligne de temps, dans toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ses corps, énergie, conscience et information d'origine, vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, échos, résonances, réminiscences, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. Je compte à trois et tout disparaît. Un, deux, trois. Oui. Voilà, nous la plaçons dans une bulle critique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et elle aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend de l'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Donc, comment vois-tu Laurence maintenant? Beaucoup plus stable énergétiquement. Et c'est beaucoup plus clair et léger aussi dans son espace énergétique. Il y a un équilibre maintenant dans la circulation de ces énergies. Alors, j'aimerais voir comment réagit maintenant cette entité à la lumière de ce que nous sommes en train de faire. Elle s'est contractée comme raidie et elle tente de résister pour s'accrocher à elle. Mais ça glisse maintenant. Les tentacules sont toujours là, mais ils glissent sur la surface de son espace énergétique.
Est-ce que tu vois qu'elle cherche à agir sur des lignes de temps ou pas, sur plusieurs lignes de temps? Elle cherche à le faire en lançant ses tentacules dans toutes les directions, mais Oui. sans parvenir à le faire, puisque la sphère de protection, elle est complètement hermétique. Donc, pour l'instant, en tout cas, ces tentatives n'ont pas abouti. Ok, bah déjà, on va la figer. 1, 2, 3, on fiche tout. Oui. Voilà. Regarde si elle est intervenue dans d'autres sphères hindoues. Non. Très bien. Alors, tu vas ouvrir un grand portail dimensionnel et tout va disparaître. On vire tout. Allez, à 3. 1, 2, 3. Oui. Tu le fermes et tu l'effaces. Oui. Vérifie à présent s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Il y a des échos et des résonances, simplement. Alors, on élimine depuis leur propre source. 1, 2, 3. C'est fait. Est-ce que tu vois des réminiscences? Oui. Allez, idem. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Alors, regarde si, regarde dans toutes les dimensions, de toutes les fréquences, s'il reste quelque chose qui ferait que les tentacules pourraient se reproduire ou se retrouver. Non, sauf si c'est elle qui donne de nouveau l'accord, la permission. Bien, il n'y a pas de programmation. Non. Très bien. Alors, on va regarder maintenant son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Il est sur le plan moronciel en observation. Comment tu vois son âme? Elle est repliée sur elle-même, dans une sorte d'abattement, et les couleurs sont ternes, comme okay. Un découragement qui est là. Et sa partie subliminale? Elle a pris de la distance avec la partie physique pour ne pas être impactée par cette entité qui était là sur la partie physique. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan moronciel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre et une harmonie parfaite et à l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct? Oui. Alors, on y va. 1, 2, 3. Oui. De cet espace moronciel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là? Oui. Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Laurence pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre et une harmonie parfaite et à l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition de la fausse matrice. 1, 2, 3. Oui. Bien. Maintenant, sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Laurence. C'est déployer sa conscience dans l'incarnation, s'y installer tranquillement dans cette incarnation et y prendre du plaisir. Quel moment choisit-elle pour entrer dans son corps à 100%? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%? Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Voilà. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. J'aimerais que tu me dises comment tu le vois. Quelle anomalie vois-tu? Il y a des coupures dans l'arbre généalogique, hein, des coupures comme des blessures. Hein. C'est comme s'il avait été cisaillé, cet arbre généalogique, hein, par une sorte de structure coupante, on dirait une cotte de maille, qui vient là s'enrouler autour de l'arbre. Mais aux intersections de la structure de cette cotte de maille, il y a comme des sortes de couteaux, ou en tout cas de lames coupantes.
Oui, et qu'est-ce que ça crée comme problème aux âmes qui sont accrochées? Ça vient perturber le psychisme et le corps mental émotionnel aussi, des consciences rattachées à la lignée. Ça vient créer des déséquilibres dans la psyché, des consciences elles-mêmes, et ça vient créer des difficultés relationnelles. Bien, on regarde comment ça impacte spécifiquement Laurence. Ça vient comme la blesser, et surtout sur le plan émotionnel, il y a des blessures émotionnelles, ça vient faire baisser son niveau d'énergie, ça vient l'isoler, et c'est comme si elle était repliée sur elle-même énergétiquement parlant, donc ça vient créer ça. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à agir sur lui. Oui. Alors, tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière, là? 42. 42 générations. Je suppose que le choix de s'aligner n'a pas été fait par elle. Ça lui a été présenté comme étant un passage obligatoire, un non-choix, une option obligatoire. Bien. Donc, nous sommes 42 générations en arrière. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a la mise en place de cette sorte de dispositif qui est déployé. C'est des entités démoniaques qui déploient tous ces dispositifs-là comme des sortes de filets qui viennent s'enrouler. C'est comme un piège qui vient s'enrouler autour des lignées. Ok. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui. Tu vas à ce moment-là, tu te présentes à lui, tu lui montres ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créative pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante qui permet un changement de plan immédiat. Donc ça rend l'arbre imperceptible, indécelable à ces entités-là démoniaques. Alors, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées? C'est beaucoup plus fluide et léger. L'énergie circule maintenant, lumineuse, rapide et fluide auprès de toutes les consciences incarnées. Bien. Incarnées ou pas, mais en tout cas toutes celles qui sont rattachées à l'arbre. Regarde comment ça impacte maintenant Laurence. Sensation de libération, de bien-être et de légèreté. Très bien, tu l'invites donc à enrouler son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Demande-lui à présent ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le coupe à 25% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. Alors maintenant, on va s'occuper de son ADN. Que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien comptes-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 connectés et 4 d'activés. Elle peut activer les deux autres? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes?
Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça vient renforcer et stabiliser sa base énergétique. C'est bon. Maintenant, on va s'occuper des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de limitation, séparation, dualité, etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation humaine, son expansion, et bien sûr de toutes ces autres parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Elle enroule, pardon, son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Et maintenant, elle stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Je brûle les étapes. Très bien. Alors maintenant, elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 82%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, à la voix de l'amour, dans le ventre maternel et dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, sa puissance créatrice, sa créativité illimitée, bien sûr. Et l'amour qu'elle est, avec une intégration, une harmonie parfaite. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, dépassés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire et empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et repolitif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et pour accélérer donc l'intégration, la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris sur l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Et je vais conseiller à Laurence d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre, c'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé donc pour faciliter les intégrations. Et j'invite les personnes qui voient cette vidéo à en profiter pour elles-mêmes à partir de maintenant. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permissions. Serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archaïques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité dans les mêmes conditions que précitées. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous procédons à l'effacement de toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie. Son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison et son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, il n'y en a pas. Alors nous intégrons tout ça dans les différents états de conscience.
Oui. À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation et association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons travailler la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Laurence, tout y est proposé. Elle fera elle-même le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le je dans la forme, humaine ou autre, n'est pas qui je suis vraiment. Oui. Maintenant, elle déclare. Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, d'abondance, de créativité, d'amour, etc. etc. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant je suis libre. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les vies, toutes les boucles et toutes les couches. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur,
que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents compte tenu des systèmes matriciels en place et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus profitable. Oui. Et je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Nous allons à présent effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne nuit de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. À présent, vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages, matriciels ou archaïques, ou tout autre moyen de la repérer. Ah non, il n'y en a pas. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement, jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps. Comment le vois-tu de ton côté? C'est une forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Elle demande à son élémental de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale avec, dans chacune des molécules, une fleur de vie, une graine de vie et un double lémniscate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. La particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Installation de programme anti-ondes et fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un autre contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit l'origine, la nature et le moment. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre les vaccins, quelle que soit la version. Oui. Un contre les vaccinés, quelle que soit la version reçue. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Qu'ils soient en même temps adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Donc, maintenant, elle installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui.
Installation de fleur de vie, graine de vie et double lémniscate activée. Oui. Et elle crée son code de vie et l'active également. C'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Je vais tout d'abord éliminer toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, etc. sur chacune des parties, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. À toi de jouer. À partir de son chakra du cœur, elle déploie une onde puissante, tourbillonnante. Elle est violette et pailletée. Cette onde s'expanse, elle vient englober tout son espace physique et énergétique jusqu'à venir se stabiliser en un espace sécurisé à haute fréquence. Elle vient se placer au centre. Là, elle déplace doucement son atlas. Ça vient le dégager et ça déclenche cette onde puissante qui descend tout le long de la colonne vertébrale, de haut en bas, qui passe auprès de chaque vertèbre, qui vient réinitialiser, réinformer chacune d'entre elles, qui vient les relier les unes aux autres, et qui vient relier chacune d'entre elles à chaque organe et système auquel elles sont reliées. Cette onde augmente en puissance tout au long de sa descente. Arrive à la hauteur du coccyx, elle vient pulvériser et expulser hors de cet espace sécurisé des couches denses, épaisses et sombres. C'est des mémoires compressées et des traumatismes. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source, jusqu'au chakra coronal. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Je présente à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De mon côté, j'élimine toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf, avec le gabarit de l'arbre de création, dans la version originelle. Oui. Qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Système musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Système endocrinien, glandes, immunitaires et hormonales. Oui. Système digestif et métabolique. Oui. Système urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Que chacun des systèmes extrasensoriels soit sécurisé. Bon, que oui. Chacun des canaux soit donc sécurisé, stabilisé et activé. Sécurisé et activé. Voilà. Donc, système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire avec le tableau général. Oui. Système bio-électrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Le tableau général de tous les systèmes.
Oui. Et que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé. C'est fait. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel sur lequel elle vient accorder chacun des organes et systèmes de son corps. Donc ça vient créer des vibrations, des résonances dans chacun de ces tissus, organes, systèmes, jusqu'au cœur des cellules, dans chacun de ces muscles, tendons, cartilages, jusqu'au système osseux. C'est toute sa physicalité qui vient se placer dans un nouvel état d'être, un nouvel équilibre. C'est fait. Micro-kiné. Elle vient actionner les points de correspondance et ça vient déployer harmonieusement ses corps subtils. Massage métamorphique. Elle vient adapter à ses propres fréquences, cette onde d'énergie toujours disponible. Donc stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Maintenant, le système des chakras et des glandes associées. Je vais d'abord que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double démiscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu ? Il y en a 7 activés. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. À présent, nous procédons à l'harmonisation et au rééquilibrage des 5 éléments. Et nous commençons par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. À présent, le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. 1, 2, 3. Oui. Elle rééquilibre les polarités avec l'implant neutre pour les mettre au point zéro. Équilibré. Et pendant que son élémental continue le travail, nous allons prendre la liste de Laurence, qui, je le rappelle, concerne l'ancienne ligne de temps pour obtenir des informations et affiner le travail. Donc on va commencer comme d'habitude à faire toute la globalité de ses corps, physiques et autres subtils. Je veux que tu fasses l'inventaire de toutes les blessures, les traumatismes, les habitudes de fonctionnement, les programmations, etc., etc., jusqu'aux échos, résonances et même réminiscences. Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Que chacune des parties soit reconnectée et réinformée. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité par son alimentaire. Oui. Équilibrage et synchronisation. Oui. Réalignement. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Alors, on va regarder maintenant son système neuronal et nerveux central. Comment vois-tu ces deux systèmes ? C'est fragilisé et légèrement dissonant. Des mémoires et des empreintes traumatiques qui sont là avec leurs échos et résonances. Bien, alors on va le faire pour toutes. Donc, pas que ce système, on va faire tous les systèmes en même temps, d'accord ? Oui. Donc, tu fais l'inventaire de toutes les mémoires traumatiques avec les échos, les résonances et voire même les réminiscences. Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Et là, c'est pareil, ce qu'on va faire maintenant, c'est aussi pour tous les systèmes. T'es OK ? Oui. Alors, donc, on va déjà reconnecter et informer. Oui. Apport de vitalité d'énergie.
Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Voilà, maintenant vérifie son système neuronal et nerveux central. Comment les vois-tu? Ah, maintenant c'est stable et équilibré. Bien. Alors, regarde les deux cerveaux droit-gauche. Est-ce que tu vois qu'ils sont équilibrés ou pas? Oui, il reste quelques équilibrages à finaliser. Allons-y. C'est fait. Voilà, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Regarde son système ORL et visuel. Là, il reste quelques réalignements, réinformations, rééquilibrages à faire. Donc, on a beau faire tous les systèmes en même temps, il y a toujours des réajustements à faire pour chacun. Oui, oui, parce que c'est comme si c'était finaliser les points de détail. Donc, tu as dit réalignement et équilibrage, c'est ça? Oui. Allons-y. C'est fait. Désynchronisation? Oui. Allons-y également. Voilà, c'est bon. Bien. Alors, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Maintenant, je veux que tu vois son système endocrinien avec le système, bien sûr, immunitaire et hormonal. Comment le vois-tu? Ils sont légèrement désynchronisés les uns par rapport aux autres. C'est tout ce qu'il reste à faire? Oui. Alors, vas-y, resynchronise. Ah, c'est fait. Besoin de réaligner? Non, il y avait juste la synchronisation. Alors, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Maintenant, les systèmes circulatoires, donc le sanguin, le lymphatique et l'énergétique. Comment les vois-tu? Là aussi, ils sont désynchronisés les uns par rapport aux autres. Ok, pour le reste, c'est bon. Oui. Alors, tu vas resynchroniser. C'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Système digestif et métabolique. Il y a quelques déséquilibres là qui restent. Il y a des réalignements qui restent à finaliser, à mettre en place, avec équilibrage et synchronisation. Ok, toujours rien à éliminer, on est d'accord? Non. Ok, donc réalignement. Oui. Équilibrage. Oui. Synchronisation. Oui. Peut-être un apport d'énergie? Oui. Allons-y. C'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Alors maintenant, par rapport à ces points, donc blocage intestinaux, voilà, constipation, ballonnement, qu'est-ce qui se passe dans son système intestinal? Il y avait ces sortes de ventouses là, tout le long du système digestif. Donc ça venait en modifier le fonctionnement et ça venait modifier des connexions et créer des blocages. Alors est-ce qu'il reste quelque chose de tout ça? Non, il n'y a plus rien. Ok, bien. Alors, est-ce que même plus de traumatisme, plus rien? Les habitudes de fonctionnement? Il reste quelques habitudes de fonctionnement. Et d'un point de vue traumatique, c'est simplement des échos et des résonances qui sont là en arrière-plan. Ah, on va aller jusqu'aux réminiscences. Hein? Oui. Alors, on élimine tout sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Alors, est-ce que tu vois qu'il est nécessaire de réinformer et de stabiliser? Oui. Allons-y. C'est fait. Apport d'énergie, vitalité? Oui. Également. C'est fait. Équilibré et synchronisé? Oui. Allons-y. C'est fait. Réalignement? Oui. Idem. C'est fait. Est-ce que tu vois que c'est complet? Oui. Alors, stabilise, sécurise et pérennise? Oui. Alors, au niveau de sa gorge, qu'elle a toujours encombrée, et donc on ne l'entend jamais. Voilà. Elle ne se sent pas entendue en tout cas. Regarde ce qui se passe.
Et bien, il y avait cette double ventouse qui était là, appuyée sur cette zone-là. Est-ce qu'il en reste quelque chose de ça? Il en reste des empreintes traumatiques, oui, avec écho et résonance. Alors, je suppose qu'à chaque ventouse, on va trouver la même configuration, les empreintes traumatiques et les échos et résonances. Oui. Alors, tu vas faire l'inventaire de toutes les ventouses, chacune là où elles étaient positionnées. Oui. Donc, on a vu sur le corps physique, mais sur tous les autres corps aussi, hein, mental, émotionnel. Oui. Alors, on élimine tout avec traces, mémoire, empreintes, etc., jusqu'aux échos et résonances et réminiscences. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Alors, comment est-ce que tu vas maintenant? Donc, tout ça. Maintenant, ça s'est équilibré. Il y a quelques reconnexions à faire, réinformation et synchronisation aussi. Alors, allons-y pour reconnexion et réinformation. Oui. Apport d'énergie, vitalité. Oui. C'est fait. Équilibrage, synchronisation. Oui. C'est bon. Réalignement. Oui. C'est fait. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Alors, comment est-ce que tu vois maintenant sa gorge, son système d'expression, son chakra, donc laryngé? Maintenant, c'est fluide. C'est fluide et l'énergie circule de façon libre. Toutes les connexions sont là aussi, correctement installées. Ok. Alors, autre point, donc pour ses deux fils, donc elle a des petits-enfants et qu'elle n'arrive pas à les voir ni avec l'un ni avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe alors? Il y a une programmation déjà liée avec la lignée pour séparer, c'est comme si pour séparer les générations, séparer les consciences rattachées à la lignée les unes des autres. Bien, donc cette programmation sur la lignée a disparu. La programmation n'est plus là et il y a aussi autre chose, c'est... Les consciences qui sont indirectement rattachées à la lignée par alliance, il y a comme une sorte de système de défense. Donc, tu parles de la mère des enfants ? Oui, qui est là installée en arrière-plan pour ne pas se laisser absorber par ce système d'interférence sur la lignée, donc de la belle famille. Très bien. Donc, je suppose qu'on pourra les inviter en fin de séance pour qu'elles puissent prendre conscience du problème et qu'elles puissent participer à la libération. Qu'est-ce que tu en penses, oui. Laurence, oui ou non? Oui, ouais. Parce que ça serait bien. Hein. Ok, donc la programmation d'aligner, est-ce que tu vois qu'il y a au sein de Laurence une programmation qui reste ou quelque chose? Il y a une empreinte émotionnelle, une empreinte traumatique dans le corps émotionnel. Empreinte traumatique, d'accord. Alors, on va l'éliminer avec les échos, résonances et réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Tu vois autre chose? Non. Bien. Donc, tout le monde sera invité à la fin de la séance pour résoudre ça. Alors, pourquoi est-ce qu'elle éprouve un sentiment d'abandon? Voilà, et donc elle est toujours en face de situations où il y a des enfants perdus, comme dans des films, des choses comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle éprouve ce sentiment? C'est des réminiscences de mémoire avant même les incarnations humaines. Ah. Par rapport à ces créations ou ce qu'elle avait mis en place ou ce qu'elle avait contribué à mettre en place au sein même de l'espace terrestre. C'est comme si d'une certaine façon ces humains-là étaient ses enfants et qu'à chaque fois elle a dû
abandonner, c'est-à-dire créer une nouvelle souche humaine, les placer là dans l'espace terrestre, et puis devoir les abandonner, et sans pouvoir revenir ou garder le contact. Donc il y a un déchirement intérieur qui s'est fait à chaque fois et qui est là toujours, toujours présent, y compris même au sein des incarnations humaines. C'est là comme une sorte de programmation en arrière-plan. Et aussi réminiscence de mémoire, les deux liés. Bien. Alors, où est-ce qu'elle est cette programmation maintenant ? Dans le corps émotionnel. Eh bien. Et ces mémoires, donc, qui sont encore là ? Elles sont là aussi, puisqu'elles sont intriquées les unes dans les autres. Ok. Donc, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Mais je suppose que toutes ces parties, maintenant, ont pris conscience de cette situation. Oui. Donc, en d'autre part, c'est des liens d'attachement, alors. D'une certaine façon, oui. Voilà. Ils sont encore là, ces liens d'attachement. C'est comme si c'était une partie d'elle-même. Un arrachement ressenti. Ils sont toujours là, oui. Très bien. Alors, on va en profiter pour faire tous les liens en même temps. Les liens d'attachement, puis tous les autres liens toxiques. T'es OK avec ça ? Oui. Alors, tu vas faire l'inventaire de tous les liens. Sur tous les plans. Oui. On va les couper et dissoudre les racines. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde, c'est encore en arrière-plan. En arrière-plan, il y a des échos et des résonances. Ok. 1, 2, 3. Oui. Tu veux encore autre chose ? Non, là, c'est bon. Très bien. Alors, donc, est-ce que le fait justement qu'elle ne voit pas ses petits-enfants, qu'elle soit confrontée à cette situation avec ses deux fils, est-ce que c'est lié ça ? Est-ce que c'est une conséquence de cette programmation qui était en elle, justement, dans le sentiment d'abandon, etc. ? Ça entre en résonance. C'est sur la même fréquence. C'est comme deux lignes de temps qui se rencontrent. Est-ce que cette programmation peut avoir favorisé justement cette situation, l'avoir attirée par voie de conséquence, comme par loi d'attraction ? Oui, exactement. Très bien. Ok. Alors, est-ce qu'il en reste quelque chose maintenant de tout ça ? Non, il n'y a plus rien maintenant. Bien. Ok. Alors, donc elle dit qu'elle fait plus pour les autres que pour elle-même. Qu'est-ce que tu vois toi de ton côté ? C'est une programmation d'incarnation. Mmh. C'est une programmation qui la reliait, elle, à l'entité, comme une sorte de devoir et d'obligation envers l'entité, pour qu'elle lui reste fidèle et qu'elle reste sous contrôle. Donc c'est pour cette raison-là que cette programmation-là a été installée en elle. Bien. Est-ce qu'il en reste quelque chose aussi ? Il en reste des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Alors maintenant, je veux qu'elle prenne conscience de sa connexion avec la source, hein, par son intention et son attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. Elle en ressent toutes les énergies de légèreté, de tranquillité, de complétude. Oui. Voilà. Et j'aimerais que tu me dises comment elle se sent. Elle ressent une quiétude intérieure, un sentiment de bien-être, de sécurité et de plénitude. Bien. Alors, tout en étant en contact avec tout cela, maintenant, j'aimerais savoir comment elle se sent face à cette situation de ne pas revoir ses petits-enfants ou cette situation de avant la matrice où elle a ensemencé ce qu'elle a considéré comme ses enfants. Comment se sent-elle à présent ? Elle se sent bien, apaisée, tranquille,
détachée, mais tout en gardant de la bienveillance. Mais c'est l'ensemble est plutôt neutre, tranquille et détaché et avec ce regard de bienveillance. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir tout ça, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement, toutes ses parties d'elle, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. Oui. Voilà. Et elle le ressent pleinement maintenant. C'est intégré, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Ok. Alors, sa mère a perdu un troisième enfant, donc c'était juste avant Laurence. Elle éprouve une tristesse, en tout cas. Bon, est-ce que cette tristesse qu'elle éprouve, est-ce que c'est en lien avec cet événement ou à quoi est-ce que c'est dû ? Cet événement-là a été le moyen d'activer cette programmation-là de tristesse qui était déjà là sous-jacente. Ok, une tristesse qui est en lien avec ses premiers événements d'abandon de ses enfants, c'est ça, tel qu'elle oui. le sentait. Oui. D'accord. Il en reste quelque chose de la tristesse en elle. Ah oui, il en reste des traces encore. Ok, alors on les élimine également sur tous les plans, avec les échos, résonances et réminiscences. 1, 2, 3. Voilà, et toujours en présence de sa connexion avec la source, maintenant elle va ressentir de la joie. Elle fait les sortes de la joie, qui est la véritable nature de son être. Joie et légèreté. Oui. Voilà, qu'elle prenne le temps de le ressentir et de le rajouter donc à toutes ces parties d'elle. Oui. Comment tu la vois à présent ? Elle se sent légère, heureuse et tranquille. Très bien. Apaisée. Ok. Alors, autre point, donc elle a ramené d'Afrique des poupées et des masques. J'aimerais que tu te connectes à tous ces objets qu'elle a ramenés. Et est-ce que tu vois que parmi ceux-là, certains sont chargés ? Alors, certains sont plus chargés que d'autres, mais c'est comme s'ils étaient tous en lien les uns avec les autres. Donc, les plus puissants ont pris le pas sur les moins puissants, énergétiquement parlant. Ce qui a pour conséquence qu'ils se sont tous en quelque sorte alignés sur, non pas exactement sur la même fréquence, mais sur des fréquences qui sont proches les unes des autres. Et donc ceux qui n'étaient pas très chargés le sont devenus plus. Et ceux qui l'étaient beaucoup se sont déchargés sur ceux qui l'étaient moins. Donc, en conséquence, dans l'ensemble, ils sont tous chargés, oui, de mémoire. Ok. Et quelle influence ils ont joué alors dans son existence, dans sa vie ? C'est comme un poids. C'est venu contribuer à abaisser ses fréquences. Ok. Il n'y a pas eu de conséquences particulières à part la baisse des fréquences ? Non. Ok. Ce n'est pas des actions magiques, ce n'est pas du vaudou ou autre ? Non. Bien. Bah, elle va faire une puissante tornade, elle va tous les nettoyer, les purifier. Allez. Et bien sûr, le reste sera fait avec la maison. Oui. Est-ce que tu vois que chacun des objets a des liens ? Ils ont des liens les uns avec les autres, oui. Oui. Ils ont des liens avec leur lieu d'origine. Voilà. Donc, on va couper tous ces liens et dissoudre toutes les racines. 1, 2, 3. C'est fait. Voilà. Alors, comment est-ce que tu les sens maintenant et comment les vois-tu ? Neutre, indépendant les uns des autres. Et neutre. Parfait. Comme des objets normaux, neutres. Mmh. Parfait. Alors, donc, ce week-end, elle est allée voir leur beau-frère, enfin son beau-frère, voilà, qui a perdu, et sa belle-sœur, bien sûr, ils ont perdu leur fille de 22 ans. Et elle est revenue, on va dire, chargée, quoi. Elle pense être revenue avec des entités. Qu'est-ce que tu vois, toi, de ce qui s'est passé ? Elle est revenue avec des désincarnés. Des désincarnés.
D'accord. Le rêve qu'elle a fait des bêtes sauvages qui tentaient de rentrer dans la voiture, etc., c'était quoi ce rêve ? C'est des colorations et des programmations de ces états de conscience par des entités astrales qui ont en quelque sorte profité de l'occasion pour se glisser dans sa réalité. D'accord. Donc, elle a fait le lendemain un travail en brûlant de la sauge, etc. Et tout est rentré dans l'ordre. Est-ce que tu vois que le fait d'avoir fait brûler de la sauge a chassé ces entités ? Pas seulement, ça c'est le support, mais c'est l'intention et c'est son implication qui ont fait le travail principal. Donc le plus puissant, c'est plus l'intention que la sauge elle-même. Oui. Et son implication. D'accord. Donc est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose de tout ça ? Il en reste quelques traces énergétiques dissonantes. Alors on élimine tout ça sur tous les plans avec écho, résonance et réminiscence. 1, 2, 3. Oui. Bien. Alors maintenant, je veux que tu regardes son corps mental et que tu me dises toutes les programmations limitantes que tu y vois. Il y a comme des sortes de... On dirait des plaques de plastique souple et opaque, donc qui se déforment à volonté pour venir isoler certaines zones de son mental, pour la garder sous contrôle. Donc ça se déplace, c'est pas quelque chose de dur, de rigide, de figé. C'est souple et ça vient s'adapter au mouvement de son mental et à ses intentions dans l'objectif de venir la limiter, de limiter l'action du mental et par là même aussi les mouvements de l'émotionnel. C'est cette entité poulpe qui est à l'origine de ces programmations-là. Bien. Quelles sont les croyances qu'il a développées à partir de ça ? Que c'est quasiment impossible pour elle de s'en défaire puisque ça vient appuyer sur elle, ça la suit dans ses mouvements, ça se ploie en même temps qu'elle. Donc c'est quasiment impossible de s'en défaire. Bien. Alors, sur cette nouvelle ligne de temps, avec tout ce qui a été vu, entendu, compris, intégré, qu'en pensent toutes ces autres parties ? De la perspective où elle se trouve maintenant, elle s'aperçoit que ce ne sont que des programmations et qu'elles sont agissantes dans une certaine bande de fréquence. Mais qu'elle-même, elle est beaucoup plus puissante et qu'elle a cette faculté de se déplacer beaucoup plus haut fréquentiellement et qu'elle peut largement et facilement passer par-dessus ces programmations-là et même les balayer de sa réalité. Bien, mais c'est ce qu'elle va faire maintenant. Donc, je vais compter. Alors, regarde ce qu'il en reste d'abord. Il en reste des habitudes de fonctionnement et des empreintes traumatiques avec écho et résonance. Alors, je compte à 3 et tout disparaît totalement. 1, 2, 3, jusqu'aux réminiscences. 1, 2, 3. Oui. Bien. Et nous en étions donc au corps émotionnel. Je reviens sur l'ancienne ligne de temps. Et que tu regardes son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient liés à cette ancienne situation. C'est comme si elle était en retrait. Elle s'est placée en retrait de ses émotions parce que le corps émotionnel, il est replié sur lui-même. Parce qu'il y a quelque chose qui vient envahir tout ce corps émotionnel, qui est une sorte de souffrance intérieure, de tristesse, qui vient colorer de sa fréquence tout le corps émotionnel. Ce qui fait que ce corps émotionnel est replié et ça empêche, ça vient colorer toutes les autres émotions et ça empêche les autres émotions de s'exprimer
correctement. Et ça vient générer des émotions de basse fréquence, puisqu'elles sont colorées par cette tristesse et cette souffrance. Donc ça génère une sorte de mal-être intérieur, de nostalgie, de regret. Il y a comme une sorte de peur aussi de se mettre en avant, de s'imposer. Parce qu'il y a cette peur de souffrir encore plus, de s'exposer encore plus à la souffrance. Ça génère aussi de la culpabilité de s'observer, de se voir agir, ou fonctionner en tout cas émotionnellement de cette façon-là. Donc ça génère aussi en arrière-plan et par conséquence de la frustration, de la colère contre elle-même et de la culpabilité de constater tout cet état de fait émotionnel qu'elle n'arrive pas à gérer. Puisque toutes ces émotions viennent là s'installer, ces émotions de basse fréquence viennent là s'installer sans qu'elle puisse y faire quelque chose, du moins c'est l'impression qu'elle a. Donc ça vient aussi à baisser l'image qu'elle a d'elle-même et par conséquent ça génère une fuite d'énergie aussi. C'est bon. Bien. On va regarder du côté des cinq blessures, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles sont prédominantes chez elle et comment s'expriment-elles? Il y a la sensation d'injustice de se retrouver dans cette condition d'incarnation-là. Il y a la partie physique, elle a la sensation, le sentiment d'avoir été trahie par le soi supérieur, d'avoir été là, laissée dans cette condition d'incarnation. Et de devoir se débrouiller seul maintenant. Donc ça n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Donc dans l'incarnation, elle ressent cette solitude, comme une sorte d'abandon, de solitude, de rejet aussi, sans pouvoir vivre son incarnation complètement, pleinement et avec plaisir. Et elle ressent aussi donc, l'humiliation de ne pas arriver à gérer ses émotions pour pouvoir mener correctement, en tout cas comme le serait son désir le plus profond, de prendre du plaisir à cette incarnation-là. Donc pour pouvoir fonctionner quand même et avancer dans cette incarnation, elle s'est mise en place comme des sortes de digues de défense pour empêcher de se laisser déborder par les émotions. Donc tout ce qui est pic de souffrance, douleur, solitude, mal-être, rancœur, tristesse, tout ça c'est contenu derrière ces digues qu'elle a elle-même installées. Elle est dans l'obligation d'en installer d'autres au fur et à mesure de l'avancée dans l'incarnation. Puisque c'est le même principe que quand l'eau monte, il faut renforcer les digues, les monter et en rajouter d'autres. Mais tant qu'elle est occupée à monter ces digues et à les fortifier, ça la détourne de sa propre puissance intérieure, ça la détourne de sa créativité intérieure et ça l'empêche de percevoir d'autres solutions pour envisager l'existence, pour envisager l'incarnation d'une façon beaucoup plus claire, tranquille, apaisée et joyeuse. C'est bon. Alors je rappelle qu'il s'agit là de l'ancienne ligne de temps, pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose de tout ça? Il reste des habitudes de fonctionnement. Et aussi des empreintes traumatiques avec écho et résonance. Alors, on va aller jusqu'aux réminiscences. Je compte à 3 et tout disparaît totalement. 1, 2, 3, sur tous les plans. Oui. Voilà. Regarde s'il reste quelque chose. Non. Parfait. Alors, donc elle prend toujours conscience de sa connexion avec la source. Donc, par son attention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, et on active tous les ressentis, les sensations, les émotions, etc. Oui.
et chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie, pétille. Oui. Et chacune des particules à l'intérieur, sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Laurence maintenant ? Instabilisée intérieurement. Dans son espace intérieur, elle est sécurisée, stabilisée. Ça permet à sa joie intérieure de se déployer tranquille. Ça lui permet de prendre du plaisir à l'instant présent et de prendre plaisir à l'incarnation. C'est bon. Bien. Qu'il prenne le temps de ressentir tout ça, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle installe une programmation suivant laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même si dorénavant, il est là en permanence. Oui. Elle rajoute ses programmations à sa bulle de réalité, à chacune de ses bulles de création, qu'elles soient familiales, de son couple, de tout quoi. De tout le secteur de sa vie, tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Voilà. Chacune d'elles est réinformée, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Maintenant, nous partons de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement qu'on appelle communément la séparation, qui se vit bien souvent par des souffrances. Comment ça se passe pour elle dans cette nouvelle, avec ces nouvelles connaissances et dans ces nouvelles conditions? Elle garde l'intention ferme et la volonté puissante de toujours garder en elle présente la mémoire de ce qu'elle est, de son essence divine. Quelles que soient les manifestations de son essence, quelles que soient ses incarnations, quel que soit l'espace, le temps et quelles que soient les circonstances. Que ressent-elle au sortir de la source, en voyant tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités ? Et de cette existence en tant que Laurence? Il y a de l'intérêt, il y a de la curiosité, il y a de la gaieté, il y a de la joie d'expérimenter toutes ces situations-là qui se présentent devant elle. C'est intéressant, vivant, pétillant. Il y a de la joie et du plaisir d'anticipation. Qu'elle prenne le temps aussi de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer et même de le déguster. Oui. Elle le rajoute à sa programmation, stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Et ramène tout ça ici et maintenant, comme un téléchargement, toutes ces parties d'elle, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre et une harmonie parfaite. Un sentiment de sécurité et de complétude intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle ressent également le sentiment de sa dignité et de sa légitimité. Oui. Celui d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec de la joie et du plaisir. Oui. Et celui de sa propre valeur, quels que étaient les résultats du passé, quels qu'aient été les choix et les résultats. Donc, dans tous les passés présents et futurs, elle sait que tout est juste, que tout est sans fonction utile, que tout est une occasion d'apprentissage, d'enrichissement et d'expérience. Oui. Elle passe par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs et jusqu'à la source, et chacune d'elles se reprogramme, se réinforme. Oui. Revient ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise et pérennise. Ah oui, elle est là. Comment est-ce que tu la vois à présent? Elle ressent maintenant sa propre puissance intérieure qui est là, présente au centre d'elle-même. Et elle perçoit maintenant qu'elle a toutes ses ressources là, présentes à l'intérieur d'elle-même et à sa disposition. Ça lui apporte une sensation de sécurité, de bien-être, mais aussi de joie intérieure. Ça permet à sa flamme d'énergie vitale, de monter, de grandir, de s'expanser. Ça lui apporte du plaisir et de la joie d'être là présente et actrice
dans l'expérience de cette incarnation. C'est bon. Bien. Alors, ça va être le moment des invitations. Oui. D'incarner nommer ces deux garçons, bien sûr. Donc, et puis aussi la première fille de son mari lui-même, évidemment, les petits-enfants. Et puis, on va aussi inviter les mamans des petits-enfants. Oui. Est-ce qu'elles viennent ? Elles viennent, mais elles restent en arrière-plan avec de la méfiance. Très bien. Est-ce que tu peux t'adresser à elles ? Oui. Voilà. Bah déjà, elle va leur montrer le travail qu'elle est en train de faire. Voilà. Oui. Et leur proposer de profiter de ce travail pour elles-mêmes. Mais demande-leur, toi, qu'est-ce qui fait qu'elles aient cette attitude donc, vis-à-vis de Laurence ? C'est de la méfiance, c'est un réflexe de protection. Elles ne font pas confiance. Parce que, alors ça ne se place pas au niveau conscient, mais il y a comme une sorte de signal d'alarme qui s'active. Mais c'est par rapport à la programmation de la lignée de celle qui est leur belle-mère. Très bien. Alors, donc si elle leur montre le travail qu'elle est en train de faire, je suppose qu'elles prennent connaissance maintenant de tout ce qui est en train de se nettoyer et que les conditions ont changé. Oui. Comment est-ce qu'elles réagissent maintenant en voyant cela ? Un soulagement. Elles se rapprochent. Elles sont de plus en plus intéressées au fur et à mesure qu'elles se rapprochent. Très bien. Donc, elles sont invitées à profiter de ce travail pour elles-mêmes. Hein ? Oui. Bien. Donc, après... On avait dit donc les petits-enfants et leur maman, la famille en général et les amis proches, on va dire toutes les personnes auxquelles elles pensent. Voilà. Oui. Donc, ayant montré à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et proposant donc que chacun en profite pour soi-même, est-ce qu'ils sont tous OK pour en profiter ? Oui. Et avant cela, acceptent-ils tous un coup de pouce ? Oui. Puisque j'ai leur permission, en leur nom, je vais pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, toute ligne de temps, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et dans tout ce qui est connu et inconnu en général. Oui. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2 et 3. Oui. Voilà, chacun se place dans une bulle triestique de protection. Se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence. Se connecte à la source. Travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Laurence pour elle-même, adapté bien sûr chacun à sa propre situation. Oui. Et continue sur ce que nous allons faire jusqu'à la douche finale. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre ? Oui. Même les mamans des petits-enfants ? Oui. Eh bien, c'est parfait. Donc, on va regarder maintenant du côté des désincarnés. Elle a nommé son père. Alors, j'aimerais que tu me dises sur quel plan tu le vois et dans quelle situation. Il est dans l'astral, dans le moyen astral. C'est une sorte de zone intermédiaire, comme une sorte de sas, de passage entre deux plans. C'est plutôt inconfortable. Bien, identifie-le, regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui. Oui, c'est lui. Tu peux communiquer avec lui ? Oui. Alors, tu t'approches de lui, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et bien sûr, qui nous envoie. Et demande-lui s'il veut un coup de main. Oui. Alors, on connecte directement à la source.
pour faire descendre information originelle et énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il maintenant ? Il y a une montée en fréquence qui lui permet de s'élever au-dessus de cet espace-là. C'est beaucoup plus lumineux et tranquille à présent. Bien. Alors, demandez ce qu'il veut faire. Est-ce qu'il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute liberté, sécurité et souveraineté ? Remonter à la source. Alors, dis-lui que pour qu'il puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Donc, il se libère totalement et libère tout et tous. C'est fait. Avant de remonter, demande-lui s'il veut s'exprimer, dire quelque chose à celle qui a été sa fille et à tous ceux qu'il a aimés sur le plan terrestre. Il y a l'émotion du soulagement qui est là. Le soulagement et le remerciement aussi, l'intention de remerciement. Il y a une onde d'amour universel qui l'envoie vers le plan physique et vers celle qui a été sa fille. Et il remonte. Eh bien, on va le saluer. Regarde s'il sort bien de la matrice. Oui. Très bien. C'est bon. Bien, alors maintenant, c'est la grand-mère maternelle. J'aimerais que tu me dises, elle aussi, sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est dans une sorte de cellule, mais dont la porte est ouverte. Donc, c'est comme si elle ne savait pas quoi faire. Donc, elle est là toujours à l'intérieur de cette sorte de cellule. Comme si elle ne savait pas où aller, puisqu'en dehors, c'est l'inconnu. Bien, tu peux communiquer avec elle ? Oui. Donc là aussi, tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande-lui si elle veut être aidée. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchée en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle ? Elle sort de cette... Elle est beaucoup plus légère tout de suite. C'est dû à la montée en fréquence. Elle sort de cette sorte de cellule qui est ovoïde, une sorte d'œuf, c'est bizarre. Et elle est là, elle a flotté au-dessus maintenant. Alors, que veut-elle faire maintenant ? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute liberté, sécurité, souveraineté ? Elle monte à la source. Alors dis-lui qu'elle aussi, pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Avant de remonter, demande-lui si elle veut s'exprimer, dire quelque chose donc à Laurence et à tous ceux qu'elle a aimés sur le plan terrestre. Ça pétille comme des bulles de champagne. C'est de la pétillance d'amour et de remerciement qu'elle envoie vers le plan terrestre. Et puis elle remonte. Eh bien, nous la saluons. Oui. C'est bon. Bien. On revient sur Laurence. Oui. Tout à l'heure, on a fait tous les liens toxiques. Est-ce que tu peux vérifier s'il n'en reste plus aucun ? Il n'y en a plus. Parfait. Donc, on va couper tous les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Est-ce que tu envoies l'autre ? Non, il n'y en a plus. Les racines sont dissoutes ? Oui. Parfait. Couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication et copier-coller. Là aussi, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Il y a une chose que je n'ai pas fait tout à l'heure, il faut que nous le fassions absolument dans le protocole donc, des systèmes. Je veux que tu reviennes sur Sideglande pinéale. Oui. Et c'est pour la production de la valentonine, qui, je le rappelle, régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et l'auto-guérison. À quel pourcentage tu vois qu'elle est produite ? 58%. Voilà. Donc, tu la programmes pour être à 100%, tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui, c'est fait.
stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai oublié, c'était important. C'est bon ? Mm-hmm. Bien. Alors donc, couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé stocké quelque part, des cheveux, des ongles, des cellules, de l'ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer tout ce qui est à l'intérieur de ces corps subtils et physiques qui n'appartient pas au corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver et éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. De son espace morontiel, elle récupère toutes ses énergies. C'est fait. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur flore de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Et c'est bon, bien sûr, pour tout le monde. Oui. Processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant, et toi également si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur des Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise. C'est fait. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Pour chacune, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de flore de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Et elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire et sur son corps comme un lifting. Oui. Tu le programmes pour être stabilisé, équilibré et pérennisé. Oui. Maintenant, je veux que nous revenions sur son ADN et que tu me dises, avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, combien est-ce que tu vois d'hélices présentes, combien sont connectées et combien sont activées. Il y en a 7 connectées et 6 activées. Elle peut activer la 7e ? Oui. Allons-y. C'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes ? Oui. Allons-y également. Dis-moi quelle différence ça fera pour elle. C'est des arrivées d'énergie vitale, ces programmes-là. C'est comme des programmations qui sont là placées pour se déployer et qui viennent activer l'énergie vitale, son énergie vitale, et l'organiser. Donc, ce qui est à son tour déploie de nouvelles lignes de temps. C'est bon. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? Entre 8 et 14 mois. Entre 8 et 14, est-ce que tu vois des effets rapides et lesquels? Ah oui, des sensations de bien-être intérieur, de légèreté, de libération. Est-ce que tu vois des inconforts du processus de métabolisation durant ces 8 à 14 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et de ses propres attitudes?
il y a des phases de la métabolisation, des moments où c'est comme si l'ancienne situation énergétique revenait avec des sensations de lourdeur, de tristesse, de mal-être. C'est le mental ego qui recrée ça dans ces phases de la métabolisation où les anciens repères ne sont plus là et les nouveaux ne sont pas encore complètement installés. Le mental ego recrée le passé, en fait. Alors, on va lui donner un coup de pouce, tu vois, dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version, comment se sent-elle ? Un pétillante, pleine d'énergie, joyeuse, vivante. Elle prend du plaisir à être là dans l'expérience de l'incarnation. Alors qu'elle prenne le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer, voire de le déguster. Oui. Elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties d'elle. Son mental ego, sa conscience cellulaire, son élémental, tous ses corps, etc., etc. Et elle le ressent pleinement. Oui. Voilà. Et pour chacune d'elles, donc, ça devient les nouveaux repères, ça devient le connu, et même des habitudes qu'elle peut programmer. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Voilà. Alors maintenant, on va regarder son domicile. J'aimerais que tu me dises comment tu le vois. Il y a comme des stagnations d'énergie, des irrégularités en tout cas dans la circulation d'énergie, avec des zones où ça stagne et des zones où c'est irrégulier et beaucoup plus rapide. Ça vient d'où ? De sa situation énergétique antérieure. Bien. Regarde les sous-sols, j'aimerais que tu regardes, tu me dis si tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres. Alors, pas qu'ils viennent l'impacter, c'est lié à elle. Très bien. Est-ce que tu vois à l'intérieur de chez elle, à part les objets qu'on a vus tout à l'heure, est-ce que tu vois d'autres choses qui auraient des influences négatives ? Non. Non. Alors, elle fait une puissante tornade et elle nettoie tout, de fond en comble, à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, puisqu'il y a du terrain également, donc tout le terrain, hein. Elle nettoie tout partout, la mémoire des murs, de la cave au grenier s'il y en a, enfin, elle n'oublie rien, elle nettoie tout. Les meubles, les objets, tout ce qu'elle contient. Oui. Elle installe partout à l'intérieur et à l'extérieur des fleurs de vie, graines de vie, et double les muscates activées, sécurisées. Oui. Sur le compteur général, tu mets un gros diamant qui transmute l'énergie électrique en force de vie, et on sécurise. Par-dessus, fleurs de vie, graines de vie, et double les muscates activées. C'est fait. Bien. Sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui va filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et qui vont produire par ailleurs un puissant effet Niagara avec un son et un parfum qui se module. Donc un effet qui favorise un sommeil profond, régénérant et paisible. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. Elle remplit tout son espace de sa propre présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle christique, elle également, et les autres occupants, s'ils le désirent également. Oui. Nous allons programmer les protections des différents états de conscience et on sécurise. Oui. Relier le début et la fin de la séance et on sécurise également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie et dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elles vibrent, rayonnent, irradient et pétillent. Oui. À l'intérieur, son élémental qui s'ébroue et qui se réjouit. Oui. Toutes ces bulles de création, oui. Et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits, et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits, dans laquelle elle peut mettre tout ce qu'elle veut réaliser, concrétiser, manifester. C'est fait. Par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double les muscates activées. Oui. Autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective et on sécurise. Oui. Nous allons sécuriser également toute la phase de métabolisation et toute la séance du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, dans tout espace-temps, toute ligne de temps, tout plan de réalité, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques, donc toutes les boucles, et toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée
et inviolable et ininfluençable. Oui. Voilà, stabilise, sécurise et pérennise. C'est fait. À présent, on va créer une programmation selon laquelle, au moment où elle devra quitter son corps, quelle que soit la ligne de temps, quel que soit le moment, son état ou la situation, elle quitte son corps en toute sécurité, liberté et souveraineté, que ce soit pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise ce programme. C'est fait. Et enfin, pour accélérer le processus de matérialisation de tout ce qui a été fait durant cette séance, pour chacune des parties, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique. Oui. Stabilise, sécurise et pérennise. Oui. Voilà. À présent, on va demander à l'ascenseur supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Maintenant, il y a la connexion directe, libre, puissante et sécurisée entre le soi supérieur et la partie physique. A-t-il des conseils à lui donner ? Oui, c'est la partie physique qui active cette connexion. Elle en a la complète capacité, il suffit qu'elle fasse confiance en ses capacités de connexion et ses intentions de centrage et d'alignement. Et la connexion s'active. Comment vois-tu son âme ? Elle s'est avancée et élevée aussi. Elle s'est comme purifiée, elle s'est débarrassée de tout ce qui était sombre, lourd, terne. Elle est là, libre et légère. Et sa partie subliminale ? Elle s'est rapprochée de la partie physique. Elle continue de créer les connexions avec toutes les différentes parties d'elle-même. Eh bien, ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version donc de Laurence, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Chacun est invité à trouver son portail et sa cascade et sous cette eau des très hautes fréquences composées de sons, lumière, couleur, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc. Chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activé. Oui. Connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère, idem. Oui. Et on termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Laurence avant la séance et quelle était la présente ? 47 et maintenant 182. Alors, chacun va sortir de son portail, le fermer derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour ? Oui. Ok. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Ça va ? Oui. T'es bien revenu ? Oui. Bon, allez, allons-y. À toi, tu peux remettre le son. À des moments, j'avais du mal à articuler. Hein, que je décolle tellement que je ne me sens plus parler. Alors, on t'écoute. C'était très bien. J'ai senti tu peux parler plus fort parce qu'on t'entend par là, par contre. J'ai senti beaucoup de soulagement. À chaque fois, des gros soupirs. Donc, tu as une impression de libération quand même. Et bon, ben c'est, je découvre beaucoup de choses, mais enfin, c'est quand vous parliez du trauma et tout ça, au niveau émotionnel, il y en a eu pas mal dans ma vie, donc ça confirme. Ça confirme. Très bien, donc tout ça, ça t'a parlé, tout ce qu'elle a vu ? Oui, ça m'a parlé, bien sûr. Ben, je ne m'attendais pas à avoir une pulpe, mais bon, l'interférence, ça c'est sûr qu'il y avait quelque chose. Comment ? Il y a un soulagement. Très bien.
Bon, bah, écoute, en tout cas, tu verras la suite. Hein, tu as bien compris que. Oui, voilà, c'est ça. Hein, la métabolisation, tu as bien compris que ça aussi, il y a des phases. Hein. Bon, tu le sais maintenant, oui. Je ne vais pas me répéter. Bon, tu le sais très bien. Et tu connais la bonne attitude. Voilà. Hein? Il faut accepter. Et puis, voilà. Voilà, simplement rester confiante, sereine, et puis voilà, hein, soutenir toutes les parties de toi qui font le travail. Donc, bah, tu connais mon conseil également de revoir ta vidéo, hein, tu sais pourquoi. Hein. Voilà, ça affine les compréhensions et ça stimule les énergies, donc ouais, n'oublie pas de t'en servir, de la revoir, etc., quand on a besoin ou quand on a envie, tout simplement. Très bien. Bien. Merci beaucoup à vous deux. Merci à toi, merci à Emmanuel, merci à toi. Et puis, bah, j'espère qu'on aura des nouvelles, tu nous diras les, oui, comment ça sûr. Se passe pour toi, y compris pour David et puis enfin tout ça. Hein. Okay. Voilà. Donc la vidéo, on la publie toujours en clair, c'est bon pour toi ? Oui. Parfait, merci. On va te souhaiter une bonne métabolisation. Hein? Merci encore. Prends bien soin de toi et on attend des nouvelles. Ok, allez, au revoir à vous deux. Au revoir.